Le Japon est un pays qui est très associé à la technologie dans notre imaginaire. Que ce soit les robots ou encore leurs trains ultra rapides qui n'ont jamais de retard, ou encore leurs machines de vente automatique qui permettent d'acheter des boissons chaudes ou froides à n'importe quelle heure, le Japon semble vivre en 3019. Mais s'il y a un objet qui m'a particulièrement intéressé en venant ici, ce sont leurs toilettes. Des chiottes du futur. Voici des toilettes comme on en trouve partout au Japon, avec donc le truc classique, et d'autre part, un tableau de commande. L'une des grosses innovations des toilettes japonaises, c'est la douchette, qui est adaptée en fonction des hommes ou des femmes. On peut modifier la puissance du jet, et on peut aussi ajuster la température du siège lui-même, parce que le siège est chauffé. Les toilettes japonaises sont une prouesse technologique. Le jet n'est pas la seule caractéristique de ces toilettes japonaises. Il y a aussi un séchoir à air, de l'ajustement de jet d'eau, il peut être pulsé ou il peut tourner, une ouverture automatique de la lunette quand on approche, une ventilation qui est anti-odeur, une chasse d'eau qui est automatique dès qu'on se lève, un panneau de contrôle sans fil, un bruit continu parfois pour éviter le malaise dans les lieux publics, un chronomètre qui décompte le temps d'utilisation, une lunette fluorescente qui peut être visible dans le noir, et enfin des capteurs qui mesurent le taux de graisse sanguin d'après l'analyse de l'urine, le pouls, la pression sanguine, etc. Bref, on est face à des toilettes qui sont clairement dans le futur. Certains modèles commencent à 500$ et d'autres avec toutes les options peuvent aller jusqu'à 5000$. Alors j'avoue, j'étais tellement fasciné par cet objet que j'ai tenté de contacter la compagnie qui fait ça, qui s'appelle Toto. Pour avoir des informations sur leur washlet, comme ça s'appelle. Donc on a commencé à prévoir une interview de ça, et puis après je me suis rendu compte que ça allait paraître sans doute un peu étrange d'être aussi fasciné par des chiottes, donc je l'ai pas fait. Désolé. Et dans tous les cas, on peut quand même admettre que ce déballage de technologie sert quand même un objectif d'hygiène qui est plus élevé que chez nous en Europe. Pour le dire de façon peu classe, nous on utilise du papier pour s'étaler et se sécher les excréments sur notre propre anus, tandis que eux se le lavent pour de vrai. On est vraiment l'équivalent de chimpanzés devant des physiciens des particules. Cet épisode n'est pas sur les toilettes, mais il est sur pourquoi est-ce qu'en Occident, on continue d'utiliser du papier toilette, alors que, objectivement, c'est moins performant, c'est moins hygiénique que ce qui existe ailleurs. Et plus généralement, quelles sont les règles qui gouvernent l'innovation? Comme la série 2K50 parle du futur, je trouvais que c'était très important d'avoir un point de vue un peu rationnel et raisonnable sur tout ce qui était les inventions, parce qu'on a tendance à voir le futur avec des voitures volantes, un internet en ultra haut débit, des implants dans le cerveau, etc. etc. Donc bref, pour nous, le futur est hautement technologique, et je pense qu'on ne peut pas vraiment correctement parler du futur sans avoir au moins un recul sur comment se fabrique cette technologie. Si on reprend un peu la vision classique de comment apparaissent les inventions, c'est souvent comme ça. Il y a un truc bof qui existe, un mec ou plusieurs qui finissent par avoir une idée, il y a une explosion d'ébauche d'idées, une d'entre elles est plus efficace que les autres, elle est sélectionnée en rapport avec le contexte, c'est adopté massivement par la population, et on recommence. Et ce serait donc le cycle de l'apparition des inventions. C'est un petit peu ce que j'avais évoqué dans l'épisode qui parlait du biomimétisme, où je montrais que certaines trajectoires de certaines invention avait vraiment ressemblé à quelque chose de très darwinien, quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans la nature, avec une débauche de forme, une sélection, qui est artificielle du coup, et la survie de la forme la plus adaptée à son environnement. Et c'est vrai que ça semble plutôt pas mal collé à pas mal de choses. Si on regarde par exemple au début de l'apparition des vélocipèdes, on a tout un tas de formes différentes, le Humber Tricycle, le Ren Bicycle, l'Invincible, le Manupède, le Gepak Transport Dreidad, le Monocycle, la Drésine. On a un peu la même chose avec les avions. En fait, si on regarde au départ de l'histoire de l'aviation, il y a vraiment eu une explosion de forme. Par exemple, le Capronistipa, donc c'est basiquement un tonneau avec une grosse hélice au milieu, ou des trucs un peu plus rigolos comme le parasol de Nemuth, donc c'est basiquement l'aile, c'est un grand disque. Et ça, c'est les années 30. Le Flying Pancake. On a un petit peu la même chose pour les premières voitures. À l'origine de l'histoire des voitures, il n'y avait pas juste les voitures à essence, il y avait en fait beaucoup de voitures électriques. Les premières voitures ont été inventées dans les années 30, mais pas les années 30 de 1930, les années 30 de 1830. À cette époque, on trouvait beaucoup de voitures électriques parce qu'en fait elles avaient la même portée, elles pouvaient aller aussi loin que les voitures à essence, elles étaient aussi autonomes. Mais il y a eu aussi des voitures à bois, donc là l'idée c'est de gazifier le bois et utiliser ça comme énergie pour avancer. Bref, il y a eu énormément de modes de propulsion des voitures, et aujourd'hui celle qui a été plus ou moins sélectionnée c'est celle à essence, mais avec les problèmes écologiques actuels on est plutôt parti pour essayer de trouver des solutions alternatives. Bref, encore une fois, ça semble coller avec plein d'inventeurs qui ont essayé de trouver des solutions différentes. Il y a eu une explosion de forme, il y a eu une sélection, et du coup aujourd'hui on se retrouve avec cette forme qui était la plus adaptée à l'environnement. J'ai un ami qui est chercheur et qui travaille justement sur l'évolution de la technique comme ça, et en fait lui il s'intéresse vraiment à l'aspect psychologique. Comment est-ce que les gens
quand ils sont en groupe, font pour créer des nouvelles choses, pour innover. Est-ce qu'ils ont plutôt tendance à se copier ou est-ce qu'ils vont essayer de créer des choses dans leur coin, etc., etc. Ok, vas-y, c'est parti. Donc, je suis Maxime Darec, je suis chercheur au CNRS. Donc, je travaille sur l'évolution culturelle. C'est une discipline qui déjà considère la culture comme de l'information qui va affecter le comportement des individus et qui est acquise via des mécanismes d'apprentissage social. Donc, par exemple, si tu copies quelqu'un, tu vas utiliser l'information sociale. Au lieu de trouver la solution par toi-même, tu vas l'acquérir de quelqu'un d'autre. Donc en gros, l'évolution culturelle, c'est un truc qui est assez récent et qui s'inspire de plein de choses. La philosophie de la technique et l'apport des sciences humaines et la biologie évolutive. Donc en fait, on va utiliser des modèles qu'on applique d'habitude à des organismes vivants et on va les mettre sur des idées. Donc là, on présuppose en fait que l'évolution darwinienne peut s'appliquer à autre chose qu'à des choses vivantes et elle peut notamment s'appliquer à des trucs culturels comme les moteurs de voitures, les formes d'avions, etc., etc. Tu vois, par exemple, pour sur le vélo, ça a pris énormément de temps pour arriver au modèle que l'on connaît aujourd'hui et on voit bien en fait toute l'amélioration incrémentale. C'est pas quelqu'un qui se met à réfléchir très fort et qui trouve la solution optimale, c'est une solution qui émerge de génération en génération sur des temps qui sont assez longs en fait. Cependant, il se trouve que ce scénario implique deux gros présupposés qui sont pas mal douteux. La première idée qui est présupposée, c'est que les gens vont explorer tout l'espace qu'il est possible d'explorer, toutes les inventions possibles dans un domaine précis. Par exemple, les mecs vont essayer de trouver tous les modes de propulsion possibles pour les voitures et ensuite ils vont sélectionner. Ou ils vont chercher toutes les formes possibles d'avions et ils vont choisir la plus optimale. Et le deuxième présupposé, c'est qu'une fois qu'on aura trouvé cette forme optimale, elle va être adoptée rationnellement, automatiquement par la population. Mais en fait, il se trouve que ces deux présupposés sont évidemment un peu bancals. Les tentatives de faire une machine qui était à propulsion humaine, ça remonte, je crois, au début du 15e siècle. Et c'était des véhicules à quatre roues. Et l'idée, c'était vraiment qu'on s'inspirait de ce qui existait déjà. Et le problème avec quatre roues, bah, c'est lourd, t'as du mal à propulser quoi que ce soit. Et en fait, il a fallu attendre deux ou trois siècles supplémentaires pour que quelqu'un ait l'idée de produire une machine à propulsion humaine à deux roues. Probablement que l'information ou les technologies qui étaient en place, mais c'est de l'information sociale, vont contraindre les idées que les individus sont capables d'avoir. Dans une étude qu'il a sortie avec d'autres chercheurs cette année, il a fait passer un espèce de petit test, un espèce de jeu à plusieurs participants. Donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis un cylindre dont sortaient quatre axes, comme ça, et l'idée du jeu était de faire descendre le cylindre le plus rapidement possible d'un pan incliné. Et donc pour changer la vélocité, ce qu'il pouvait faire, c'était rajouter des poids sur les tiges, soit proche du centre, soit plutôt loin du centre, soit des conformations, un mix des deux, etc. Donc là, dans ce cas précis, il y a une conformation qui est effectivement la plus rapide parmi toutes, avec une intuition physique derrière. Et la question était donc de savoir, est-ce que les participants, sans leur donner d'informations, est-ce qu'ils allaient réussir à trouver la solution optimale, juste comme ça, en faisant plusieurs tests et en pouvant se copier les uns les autres, ou pas? On fait ce qu'on appelle les chaînes de transmission. C'est une manière de simuler les générations successives. C'est-à-dire que tu as un individu qui va essayer de résoudre le problème, et l'individu suivant, il va hériter de l'information du participant précédent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir observer ces deux dernières solutions, par exemple. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils vont dire aux autres participants dans la chaîne, ils vont leur dire, tiens, ça dépend de la distribution des masses par rapport à l'axe. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça va contraindre l'exploration des individus. C'est-à-dire qu'ils vont être très bons, ils vont avoir une très bonne compréhension de l'inertie, ils vont savoir qu'il faut mettre les poids très proches de l'axe. En fait, ils vont complètement négliger l'effet d'avoir une roue qui est asymétrique. Donc en fait, des événements un peu arbitraires qui se passent en début de chaîne vont contraindre la trajectoire évolutionnaire de la population. Comme il le dit lui-même dans son article, la transmission des théories fausses a contraint les participants à ne pas explorer l'ensemble de l'espace, des possibilités, ne pas essayer toutes les conformations possibles et à tester qu'est-ce qui marche le mieux. Un exemple magnifique de ça, c'est l'exemple de la hache. On sait ce que c'est une hache, c'est bon. T'as un manche avec au bout un truc un peu tranchant et tu fais en sorte que le truc tranchant arrive super vite sur le truc que t'as envie de couper et voilà. Toute la technologie de la hache, finalement, c'est de rendre le truc tranchant le plus tranchant possible et éventuellement le manche de faire en sorte que ça tienne bien le truc tranchant. Et donc en gros, on fait des haches depuis le paléolithique, a priori ça va, on sait faire. Et ben non. Dans les années 2000, il y a un mec qui a réinventé la hache. Donc là, en fait, on le voit en train de montrer comment sa hache fonctionne. Déjà, il fend le bois à une vitesse de taré. En gros, pour fendre du bois, la logique, c'est simple. C'est tu mets un truc tranchant qui va séparer les fibres de bois et le truc tranchant va arriver avec un maximum d'énergie cinétique et séparer les fibres. Et l'idée, c'est que le truc tranchant arrive jusqu'au bout des fibres pour tout trancher. Le problème de ça, c'est que ça demande vachement d'énergie et c'est pour ça que les bûcherons sont très forts. Mais c'est aussi dangereux parce que ça veut dire que si on rate les fibres et que finalement ça rip, on peut se retrouver avec une hache
roche qui est très tranchante et qui a beaucoup d'énergie cinétique dans les tibias, ce qui est moyen cool. Donc ce qu'a trouvé Heikki, qui est finlandais, c'est une hache qui en fait va rentrer dans le bois, mais elle va rapidement freiner parce qu'en fait elle est faite de telle façon qu'elle s'élargit d'un coup. Quand elle se ralentit, il y a un espèce de petit contrepoids qui est mis sur le côté de la hache, à côté du manche, qui lui va continuer sa course parce qu'il a encore lui de l'énergie cinétique. Donc en fait il va faire pivoter la hache, alors en fait la hache devient à ce moment-là un levier. Le truc c'est qu'un levier, bah, c'est vachement pratique pour séparer des fibres, et c'est ce qu'elle fait, et elle le fait très très bien. Elle fend du bois à une vitesse de l'espace sans se fatiguer plus que ça, parce qu'on n'a pas besoin de fournir la même énergie cinétique. Coller un contrepoids à côté d'une hache, je pense qu'on aurait pu le faire depuis très longtemps avec notre maîtrise en métallurgie, mais non. C'est-à-dire qu'on n'avait pas exploré tout l'espace des possibilités du domaine de la hache, on va dire. Donc d'un côté, on n'explore jamais tout l'espace des possibilités de chaque invention, mais l'autre truc encore plus important, c'est que même quand il y a plusieurs solutions possibles, et qu'il y a de meilleures solutions qui s'offrent à nous, on va pas forcément les adopter. C'est vraiment ça qui m'intrigue dans l'histoire des toilettes japonaises, parce que c'est exactement ce qui se passe. Quelque part dans le monde, il y a des gens qui ont un anus propre, et c'est pas mon cas. Enfin, ça va, parce que j'ai pris une douche. Donc ici, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que des fois, l'adoption de la technologie ne fonctionne pas. Pour comprendre ça, on peut prendre le cas de la brouette chinoise. C'est pas une métaphore sexuelle. Quand les Européens sont arrivés en Chine et qu'ils ont commencé un peu à explorer le pays, mettons dans les années 1700, ils sont tombés sur des versions de brouettes bien plus efficaces que celles qu'ils avaient à la maison. En Europe, une brouette, c'est un bac avec devant une roue, de l'autre côté des manivelles, et en fait, la personne qui tient la brouette porte la moitié du poids et la roue porte l'autre moitié. Donc c'est galère parce que quand tu portes les 100 kg de ciment, en fait, toi t'en portes 50 et tu dois en plus pousser avec ton poids en direction de là où tu veux aller. Les brouettes chinoises portaient 100% du poids du ciment, de ce que tu veux, et la personne portait zéro. Tout simplement parce que, en fait, c'est une très grande roue qui est posée sous un plateau, qui est à l'équilibre. Tout le poids est réparti autour de la roue. La roue, en plus, elle est un petit peu encastrée dans le plateau, donc en fait, le centre de gravité est très bas, donc c'est très stable. Tout ce que le mec a à faire, c'est de pousser la brouette en direction de là où il veut aller. Donc il a juste à fournir l'énergie dans ce sens-là, mais pas à fournir l'énergie dans ce sens-là. Donc clairement, en Europe, on était à l'âge de pierre de la brouette, et eux, ils avaient inventé la brouette du turfu. La brouette sert aussi de transport de passagers, on peut mettre des gens dessus, on peut en mettre même plein. Et si c'est fatigant, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est une personne qui tire la brouette tandis que l'autre il la manœuvre, ou on peut mettre un animal avant qui tire la brouette, donc là en fait ça ressemble à un chariot, ou même il y avait des brouettes avec des voiles, et donc en fait la brouette c'était pas juste un truc pour faire 10 mètres quand tu fais les travaux chez ton oncle en Ardèche, mais là c'était vraiment un moyen de transport de longue distance. Et ce qui est vraiment perturbant, c'est de voir que malgré le fait que des Européens en aient parlé, qu'ils aient pu décrire l'objet et qu'ils aient pu montrer à quel point il était plus efficace, et ça n'a pas été adopté. Et pourtant, clairement, c'est une innovation qui était supérieure à ce qu'on avait à l'époque. Il y a plusieurs façons d'expliquer tout ça. Une première est le concept de dépendance au chemin. Donc la dépendance au chemin, c'est l'idée qu'une décision qu'on va faire à un moment donné sera dépendante de la décision précédente qu'on a prise, et qui sera elle-même dépendante de la décision précédente, etc., etc. Un des exemples les plus utilisés pour expliquer le concept de dépendance au chemin est celui de la disposition des touches de clavier. Dans les années 1840, les premiers claviers, c'était des claviers de piano avec dessus écrit les petites lettres, et donc on tapait sur les touches du piano et ça écrivait des lettres sur le papier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un clavier. Ce format-là était le format le plus répandu à l'époque, et aujourd'hui on s'est tourné vers quelque chose, une grille comme ça, avec les touches, et c'est plus pratique parce qu'on n'a pas besoin de faire des grands mouvements de bras pour taper quelques touches qui sont juste à côté. Dans les années 1870, il y a un inventeur qui s'appelle Christopher Latham Sholes qui a inventé un clavier avec une disposition, et les premières touches de la première rangée du haut s'appellent QWERTY. Il a vendu cette invention à Remington, qui est une entreprise qui fabriquait des machines à écrire, et Remington a donc utilisé ce design dans toutes ses machines à écrire. Il y a eu un accord avec un trust de machines à écrire aux États-Unis qui ont sélectionné ce design QWERTY, et donc on a fini par utiliser la disposition des touches QWERTY. Mais le truc, c'est qu'il y a d'autres conformations que le QWERTY qui existent, comme le Dvorak ou le Beppo en français, et ce sont des conformations qui sont jugées comme étant plus efficaces, avec un gain d'efficacité qui est plus de 10%. Donc on peut se dire, on a vraiment une forme qui est meilleure et qui n'est utilisé par quasiment personne, tout simplement parce que le chemin qu'on a choisi de prendre, donc l'histoire de l'invention, fait qu'on est coincé dans un truc qui est sous-optimal. Si ça vous rappelle pas le PQ, je vois pas ce que ça peut vous rappeler. En cherchant un petit peu sur internet, on tombe sur beaucoup d'innovations de ce style qui n'ont pas été sélectionnées malgré leur efficacité relative. On peut aussi mentionner les dirigeables qui ont eu ce qui semblait un avenir brillant au début du 20e siècle, puis quelques crashs aériens et notamment le Hindenburg qui a pris feu. Ça a pas inspiré la confiance et du coup plus personne n'a voulu vraiment y investir des sous. Pour revenir sur notre histoire de toilettes japonaises,
Si on reprend en fait la trajectoire historique de comment on en est arrivé à utiliser du papier dans les toilettes, alors on a les Romains qui utilisaient finalement une éponge qu'ils mettaient au bout d'un bâton, qu'ils utilisaient pour se frotter comme ça toute la zone anale, et qu'ils partageaient avec d'autres personnes dans les latrines publiques. Ils la balançaient juste dans un seau avec du vinaigre, et c'était pas suffisant pour tuer toutes les bactéries anales, pas top. En Asie, il y a le bâton à merde, c'est le nom de la page Wikipédia, shit stick, et donc on voit que pendant des siècles, des spatules en bambou ont été utilisées pour se nettoyer le corps, enfin une partie très particulière du corps, quoi. L'avantage énorme de ce type de bâton, c'est que ça coûte pas cher, on peut le réutiliser, on peut le laver, et puis on peut le garder avec soi, quoi. Aux États-Unis, typiquement, on utilisait plutôt les feuilles d'un catalogue qui était à l'époque très connu, qui était le Sears Roebuck catalogue. C'est un peu l'équivalent de l'époque de Amazon, donc 1870. Toutes les maisons recevaient leur gros catalogue, la redoute, mais c'est pas la redoute. Petite anecdote, mais c'est absolument hallucinant tout ce qu'on pouvait trouver dans ce catalogue déjà à l'époque. On pouvait commander des maisons, on pouvait commander des animaux vivants, on pouvait commander tout un tas de trucs, c'est fascinant. L'histoire de ce pré-Amazon. Et bref, les gens utilisaient les pages de ce catalogue comme outil pour se nettoyer, enfin se nettoyer, oui, bif bof quoi. Et d'ailleurs, il y a eu des plaintes quand ils ont commencé à faire des pages en papier glacé. Finalement, le papier toilette, comme on le connaît, a fini par gagner du terrain avec l'apparition donc, des canalisations modernes, des toilettes en forme vraiment moderne actuelle. On avait besoin d'un produit qui se dissolve dans les canalisations pour pas que ça bouge tout, évidemment, donc les pages du catalogue Sears, ça le faisait plus. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'histoire de ce papier toilette, c'est que pour réussir à faire accepter, adopter ce produit au grand public, les inventeurs ont utilisé une énorme campagne de marketing parce qu'ils savaient que sinon, la honte de passer à quelque chose de nouveau était trop forte. Et c'était vraiment trop honteux d'aller au magasin chercher son rouleau de PQ, quoi, parce que c'était trop évident ce qu'on allait faire avec. Alors que le catalogue Sears, ça laissait un petit doute. Une autre logique qui a été utilisée, c'était de vendre le truc comme étant un attribut un peu féminin, un peu doux. Et donc, ils ont créé une marque qui s'appelait Charmin, et avec un logo féminin pour évoquer la douceur, la féminité, et du coup ça permettait d'éviter de parler du vrai but du papier toilette, qui est de bien étaler la merde sur notre trou de balle. Et en fait, quand on commence à réfléchir à ça, on commence à essayer de remettre en question un petit peu tous les objets de la vie courante en se demandant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Par exemple, je me suis assez souvent dit qu'on devrait utiliser des biberons pour adultes, parce que finalement on est là avec nos mugs et tout, on n'arrête pas d'en foutre partout, enfin personnellement je suis pas capable de laisser du liquide à l'intérieur du mug, alors qu'un biberon permettrait de faire ça mieux. Et je me dis que peut-être un jour, s'il y a une campagne de marketing assez efficace, on trouvera des mecs dans le métro en train de téter leur biberon de café. Et en fait, peut-être le gros truc à tirer de tout ça, c'est que les inventions, que ce soit leur découverte ou que ce soit leur adoption, sont issues de comportements qui sont collectifs. Et les comportements collectifs ne sont pas nécessairement rationnels. Parce que si on était rationnel, on aurait tous un chiotte japonais chez soi. Ou peut-être pas, en fait. Au Japon, le mot kirei peut vouloir dire mignon, beau, propre, pur. La notion de propreté et d'hygiène est liée très fortement à la notion de beauté. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé durant ce voyage, notamment dans la rue, avec le nombre de gens qui portent des masques respiratoires, des masques sanitaires. Les raisons qui sont classiquement évoquées pour expliquer pourquoi autant de gens portent un masque comme ça sont souvent liées à la densité de la population. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et comme il y a beaucoup de transports en commun, c'est vu comme une politesse normale de ne pas donner sa maladie à quelqu'un d'autre. Donc le masque semble une logique rationnelle. En me renseignant un petit peu sur l'efficacité du masque pour prévenir des épidémies, je me suis rendu compte que c'était un énorme débat scientifique et en fait que pour l'instant il n'y avait pas vraiment un consensus très clair pour dire que le masque servait à quoi que ce soit. En gros, ça pourrait effectivement permettre d'éviter de tomber malade, un petit peu à la marge. À Matsumoto, en 2014-2015, il y a une étude qui a regardé si les écoliers qui avaient un masque avaient plus ou moins de chances de tomber malade durant la période des grippes. Et effectivement, ça permet de diminuer de 8% les probabilités de tomber malade. C'est pas un effet qui est monstrueux. Très honnêtement. Et là où je veux en venir, c'est que l'utilisation des masques au Japon n'est pas forcément tout à fait rationnelle non plus. Elle porte une énorme charge culturelle liée à la beauté, liée à la propreté, mais ça n'a pas une efficacité monstrueuse en termes de réduction des maladies. En plus de ça, le masque sert également à créer une barrière entre soi et le monde. Par exemple, si on n'a pas envie d'être embêté, on met des écouteurs et un masque et c'est à la cool. Ou tout simplement se cacher la bouche si on trouve qu'on a une vieille gueule, et ça peut même aller à des trucs où finalement le masque devient lui-même un accessoire de mode. Et finalement, notre toilette japonaise dont on parlait dès le départ, et l'investissement fou que ça représente
représente pour un ménage moyen, bah finalement, il n'est peut-être pas non plus nécessairement complètement rationnel. Après tout, est-ce qu'on a besoin d'autant de technologie pour juste nettoyer une toute petite zone de notre corps? Un simple jet d'eau ferait aussi bien l'affaire, ou une lingette nettoyante. Bref, nous n'explorons pas nécessairement l'ensemble des possibilités de ce qui existe, nous n'adoptons pas non plus les meilleures innovations systématiquement, pour des raisons qui peuvent être culturelles, liées à nos perceptions de la beauté, de l'hygiène, parce que ça nous demande un effort trop important, ou parce que le chemin qu'on a parcouru historiquement pour arriver ici ne nous permet pas de changer. Bref, à mon avis, si on veut essayer de comprendre à quoi ressemblera la technologie en 2050, il ne faut surtout pas mettre ça de côté et ne surtout pas croire qu'on est des animaux entièrement rationnels. Voilà. Voilà.